Salut les gars, comment ça va? Pour ma part, ça va excellent. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et j'ai décidé de vous proposer une vidéo sur des easter eggs du multijoueur de Call of Duty Black Ops 3. Une variété d'easter eggs, pas forcément cachés, mais des easter eggs dont on a moins parlé. Bien évidemment, il y a les fameux easter eggs, les très célèbres easter eggs sur Nuketown qui ont fait le tour en l'espace de quelques secondes. Il y a d'autres easter eggs très connus qui ont fait le tour aussi très rapidement. Aujourd'hui, je voulais vous proposer 4 ou 5 easter eggs très sympathiques, dont ce premier sur la map Fringe. Donc, si vous voulez, on a dans ce petit office, dans ce petit bureau, si vous voulez. Une exposition de posters de précédents Call of Duty développés par le studio de Treyarch, bien évidemment. Trois de leurs premiers Call of Duty, étant donné que Treyarch a commencé leur Call of Duty sur Call of Duty 3. Donc on a Call of Duty 3, World at War ainsi que Black Ops 1 qui sont pour moi des Call of Duty exceptionnels, surtout World at War et Black Ops 1 que j'adore et qui sont disponibles dans cet office. Je me suis demandé s'il y avait Black Ops 2. Black Ops 2 n'est malheureusement pas disponible dans le petit bureau. Donc je me demande pour quelle raison ils ont décidé d'afficher tous les codes à part Call of Duty. Black Ops 2, bien évidemment, ça aurait pas fait de sens s'ils avaient affiché Black Ops 3. On a le suivant qui est sur la carte métro, donc lui il est assez connu quand même, mais c'est un fort, un petit historique fort sympathique. Donc vous allez voir que dans le petit bar où est-ce qu'on peut acheter des boissons, on retrouve une grande diversité de nos atouts du mode zombie. Et j'aime beaucoup les atouts qui ont été proposés. Ce que j'aime encore plus, c'est que il y a certains atouts qui sont même pas sur Call of Duty Black Ops 3 Zombie, qu'ils ont décidé de nous proposer, entre autres de l'atout Tombstone, qui nous ont proposé, donc Pierre Tombale si vous voulez, qui est dans qui est exposé dans cette vitrine parmi les atouts. Et il n'est même pas disponible sur Black Ops 3 Zombie. Et finalement ils ont décidé de l'exposer dans la vitrine. Donc on retrouve les atouts traditionnels comme Quick Revive, Stamina Up, Double Coup, Mastodonte et Speed Cola. En plus de retrouver justement Pierre Tombale. Donc c'est les atouts qu'on retrouve. Il n'y a pas d'autres bouteilles à ce que je sache qu'on peut retrouver. Mais j'ai trouvé cette easter egg vraiment sympathique. Petite référence, et il y a aussi 3 armes, désolé. Donc petite référence vraiment sympathique par rapport aux zombies. C'est quelque chose dont on a l'habitude, si je peux dire ça comme ça. Par exemple Kino Der Toten ou Buried proposaient ce genre d'easter egg. Mais c'était des maps zombies qui proposaient des easter eggs zombies. Alors c'était pas la même chose qu'une map multijoueur qui propose des easter eggs multijoueurs. Vous m'aurez compris. Finalement je vais vous montrer des petits easter eggs sur Nuketown, deux easter eggs. On va commencer avec une voiture miniature qu'il y a sur une tablette, donc une sorte de jouet voiture. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que ça fait référence à la voiture sur Nuketown 2025 de Call of Duty Black Ops 2, donc petite référence, petit throwback d'il y a 3 ans quand Black Ops 2 est sorti. Effectivement ça passe très 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 vite. Et petite référence également à Nuketown original, alors 5 ans en arrière quand Black Ops 1er du nom est sorti. Ça c'était le panneau d'affichage de base et original qu'on avait sur la map Nuketown à sa sortie. Et finalement je vais vous montrer deux petits easter eggs encore liés aux zombies. Donc sur la map Infection, qui est la simulation de World at War, de guerre mondiale si vous voulez, on retrouve ceci, une carte de The Giant, c'est identique. On dirait que c'est genre un tableau normal, mais finalement non, c'est le même layout, c'est la même construction de map que la map zombie The Giant. Et pour terminer mon easter egg favori, celui-ci c'est une barre de chocolat qu'on peut trouver dans une exposition de bonbons. Et on s'écrit Dr. Monty, ce qui fait référence bien évidemment au Black Ops 3 Zombie et au Gobblegum plus précisément, vu qu'il en est le fondateur. Donc cette histoire que je l'ai beaucoup aimé. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me donner vos avis dans l'espace des commentaires. Petit pouce vert, moi je vais vous dire ciao bye les gars. Et surtout me dire quelle histoire que vous avez préférée. Peace.